Hey, salut à tous les amis, c'est Narcooks qui vous cause. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouvel épisode sur Nation Glory. Et c'est l'épisode numéro 7, si je me trompe pas. Donc j'espère que vous êtes prêts. N'oublie pas le like, de t'abonner et mettre plein de commentaires. Et c'est parti. Alors, pour commencer ce magnifique épisode, déjà vous vous demandez c'est quoi ce magnifique chapeau que j'ai là sur ma tête. Eh bien, ce magnifique chapeau, il s'agit du chapeau agriculteur que l'on reçoit lorsque l'on est panier 5 agriculteur. Donc, comme vous pouvez voir, je suis à 827 282 sur 500 000 du métier d'agriculteur. Je suis panier 5, j'ai tout à 100% et encore une nouvelle petite surprise. Vous pouvez voir qu'au niveau du classement, je suis le tout premier. Donc ça fait que j'ai un overlay exclusif, un chapeau exclusif et un badge exclusif. Le petit badge exclusif, c'est ça, donc compétence agriculteur top 3 du serveur. C'est un petit truc qu'on déverrouille une fois qu'on atteint le top 3. Franchement, c'est pas mal du tout. Et pour l'overlay, regardez, c'est juste la barre au-dessus de Narcooks qui apparaît. Ça fait hyper sympa, c'est une petite barre dorée. Franchement, c'est juste magnifique. Donc oui les gars, j'ai réussi à atteindre le panier 5 agriculteur, ce qui est énorme et beaucoup de farms. J'ai aussi réussi à être le premier farmer du serveur. Donc franchement, c'est pas mal du tout. Mais il y a un petit souci avec tout ça. Le petit souci, comme vous pouvez voir, c'est que j'étais le premier du serveur en quantité de farm, de compétences, il n'y a même pas quelques jours. Et en fait, je viens de me faire dépasser par un Reg TUX qui est arrivé de nulle part et m'a totalement dépassé. Ah là, c'est pas bien ça. Il faut que je reprenne ma première place. Il m'a mis 100 000 points d'avance. Ça va pas passer impuni. Le retour de Narcooks le farmer va arriver pour reprendre son titre. Et donc, comme vous pouvez voir, on a nos magnifiques champs qui sont juste là. Mais il y a une petite subtilité avec ces champs que j'ai fermé pendant hyper longtemps. La subtilité, c'est qu'à partir d'aujourd'hui, on peut enfin utiliser les tracteurs pour farmer. Et oui, les gars, je fais partie de ceux qui ont monté le palier 5 avec uniquement mes petites mains. Ouais, c'était long. Mais maintenant, je peux farmer avec le tracteur et gagner beaucoup de temps. Donc franchement, n'attendons pas et remontons à la première place. Reg TUX, je vais te dépasser. Bon les gars, j'ai farmé pendant des heures et des heures. Je suis épuisé, mais j'ai une mauvaise nouvelle. La mauvaise nouvelle est que je n'ai pas réussi à rattraper Reg TUX. J'ai réussi à faire 100 000 points d'XP approximativement. Mais lui, il a réussi à me mettre encore plus de points d'avance. Bon, vu qu'il s'agit d'une mauvaise nouvelle, autant ouvrir une petite box pour fêter cette mauvaise nouvelle. Allez, quelque chose de bien peut-être. Ok, on a rien vu, c'était de la merde. Bon les gars, après cette grosse quantité de farm, je dois vous montrer les nouveautés du pays. Au niveau des nouveautés du pays, nous avons cette magnifique petite falaise qui a été faite juste ici. Avec cette magnifique tour, sa petite maison sur pilotis et un petit pont pour pouvoir y accéder. Hop, on y va vite fait. Bon, elle n'est pas encore totalement full décorée, mais ça donne déjà pas mal. Et ça continue par là. Avec une deuxième petite tour. Franchement, ça rend plutôt bien. Et ce qu'il y a de sympa dans cette petite falaise, c'est qu'il y a des canons à disponibilité pour pouvoir tirer sur tout envahisseur qui se rapprocherait trop de notre pays. Mais franchement, c'est une bonne petite défense qui dissuade n'importe qui. Et carrément, la maison a été posée sur un gros rocher. C'est vraiment pas mal du tout. Lors de la dernière vidéo, je vous ai montré ce magnifique monument que l'on a appelé la confrérie des pirates et qu'on voulait la passer à l'UNESCO. Et pour cela, on a fait une vidéo spéciale pour pouvoir la passer à l'UNESCO. Et je vais tout de suite vous la montrer. J'espère qu'elle va vous plaire. Et c'est parti! Les terribles îles Andaman, situées dans l'océan Indien, cachent de nombreux mystères et de nombreuses énigmes. Elles recueillent aussi des légendes de la piraterie, qui s'y arrêtent pour s'approvisionner en nourriture et recruter des matelots tout aussi fous les uns que les autres. On compare bien souvent les îles Andaman au port de Tortuga. Mais ce qui fait la légende des îles Andaman, c'est la confrérie des pirates, fondée par Barbe Noire et beaucoup d'autres légendaires pirates. Si Barbe Noire était venue il y a si longtemps pendant l'ère de la piraterie sur les îles Andaman, c'est pour une raison que je vais vous expliquer dès maintenant. Mais pour cela, remontons 600 ans en arrière, à l'époque où les îles Andaman étaient peuplées par des tribus comme la tribu Jarawa. Les Jarawa ont pris des dieux païens pendant environ 200 ans. Que ce soit rituel et sacrifice humain, elles étaient très proches des dieux. Mais la stabilité dans la tribu elle-même était bancale à cause de la mort du chef de la tribu. Il ne laissait derrière lui qu'un trône vide, sans prétendant.
Alors les vicieux tentèrent de prendre le pouvoir par la force, ce qui a créé une véritable guerre civile. Les deux païens, étant habitués aux nombreuses offrandes de la tribu, furent très vexés du manque d'attention que leur prêtait celle-ci à cause de la guerre civile qui faisait rage sur les îles. Pour montrer qu'il ne fallait pas les oublier et montrer leur puissance, les dieux jetèrent une malédiction sur les îles Andaman et le peuple qui y vit. Une malédiction qui ferait trembler n'importe quel peuple. Une malédiction qui ne sera jamais annulée. Une malédiction qui ferait des îles Andaman une cible de choix pour tous les pirates des océans et des mers. Les années passèrent et de plus en plus de pirates ont pillé et attaqué les îles Andaman. Certains se sont même installés et très rapidement les pirates ont fait partie du quotidien des îles. Une nuit, une personne qui semblait sortir de la forêt, blessée et dégoulinant de sang, a prévenu qu'une tempête allait frapper sur les îles et qu'il ne resterait plus rien après son passage. Effectivement, la tempête fut extrêmement violente et très destructrice. Après celle-ci, il ne restait plus que le plus grand et robuste navire du port, qui fut détruit en deux. On ne put que voir son plus gros morceau étant positionné à la verticale en piteux état. On raconte aussi qu'au moment du choc du navire sur le sol, cela créa un énorme bruit et tremblement du sol, ce qui créa juste en dessous de l'épave une énorme grotte. À ce moment-là, les plus grands pirates sont tous réunis autour de l'épave et ont décidé de faire de ce lieu la première confrérie des pirates. Ils l'ont donc rafistolé ainsi que solidifié la grotte. Ce jour-là, Edward Teach dit Barbe Noire, Olivier Levasseur dit La Buse, Bartholomew Robert dit Barbe le Noir, et enfin Samuel Bellamy dit Black Sam, sont donc devenus les premiers seigneurs des pirates. Ces pirates sont donc devenus des légendes dans le monde des pirates, et jamais aucun marin n'eut réussi à les vaincre, ainsi que la confrérie qui y est maintenant installée. Vous comprenez maintenant l'importance de ces lieux et pourquoi Barbe Noire et les autres capitaines sont venus en ces lieux. La confrérie était donc née. Un lieu rassemblant tous les plus grands pirates du monde pour pouvoir marchander et se divertir de manière bien différente. Lancer de couteau, jeu de cartes, ils en profitaient également pour enrôler les marins en leur proposant de devenir pirates. Et la plupart acceptaient facilement, car être marin, c'était très dur, surtout que les capitaines du navire étaient cruels et tyranniques. Avec leurs longues bottes, leurs longues chevelures et leurs bandeaux masquant un œil, ces grands navigateurs défiaient mer et océan sur leurs bateaux afin de ramener les plus grands trésors du monde. De nombreux alcools et autres produits très recherchés par les plus grands pirates étaient disponibles à la confrérie. Voilà donc un bâtiment apte à accueillir autant de pirates qu'il faut pour conquérir le monde. Aujourd'hui encore, la confrérie est toujours dirigée par des capitaines qui sont considérés des autres pirates comme étant leurs seigneurs. Il y a le capitaine Julien étant le plus célèbre, surnommé The Slicer, suivi du redoutable second, capitaine Victor dit The Forest, et d'autres capitaines connus comme étant Naru, Crow et Cyber. Ensemble, ils écument les océans et font la terreur des plus grands monarques et des plus grandes puissances. Alors les gars, est-ce que cette petite vidéo pour l'UNESCO vous a plu? J'espère que oui, parce qu'elle a demandé énormément de temps de travail. Hein. Sinon, j'ai une autre nouveauté pour vous. Comme vous pouvez voir, dans notre magnifique coffre du pays, nous avons un antimateur, un magnifique tiers de roquette et le Red Matter Missile. Donc en totalité, juste là, on a approximativement 5 millions de dollars. 2,5 millions pour le Red Matter, 1 million pour l'autre Matter et 1,2 million approximativement pour la fusée. Regardez-moi ce magnifique Red Matter. Oh là, il est magnifique. Ah, ce magnifique coucher de soleil. Ah, qu'est-ce qu'on se sent bien. Ah oui, c'est vrai, je dois vous dire quelque chose. Eh oui les gars, l'épisode numéro 7 est terminé. J'espère qu'il vous a plu. N'hésite pas à mettre un énorme like, à t'abonner et mettre plein de commentaires. Sur ce, je vous dis à la prochaine devant notre magnifique futur UNESCO. Gardez-vous bien et à la prochaine. Ciao, ciao, ciao! Abonne-toi vite! Hé, hey, toi! Oui, toi! Tu sais, tu peux t'abonner à ma chaîne. N'oublie pas de lâcher ton plus gros like. Tu peux aussi activer la petite cloche pour ne pas louper mes prochaines vidéos. J'ai aussi un compte Twitch sur lequel je fais des lives une fois de temps en temps. Tu peux me rejoindre sur mes réseaux sociaux ou aussi sur mon Discord. Si jamais tout est dans la description, n'hésite pas à aller voir. Sur ce, merci à toi et à la prochaine. Ciao, ciao, ciao!
Abonne-toi, vite.